Donc, nous pouvons commencer dans quelques secondes. Ou l'on mute là. Pour commencer dans quelques secondes, mon camarade, Nathan, Nathan, nous pouvons commencer. Est-ce que c'est live? Oui. Ah bon? Ok. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, lundi, nous pour cause l'autre secteur, l'économie, nous pour cause le secteur exportation, l'export des produits et des services. Bonsoir à tous. Et ce soir, nous avons le Ça. plaisir d'accueillir Lilaouti Ramjan-Dursuri, qui est la directrice de la MEXA, Mauritius Export Association, qui occupe toutes affaires d'exportation dans Maurice, sur poisson, sur simili, sur rhum, sur etc. Lilaouti pourra continuer à lire ce qu'ils ont fait dans MEXA. Et bien sûr, Kevin Tirouengadam et Rachna, avec qui nous pouvons faire une conversation pour partager avec nos compatriotes à Maurice et à l'étranger, ben, l'importance de l'exportation. Donc, dans tout pays, ben, secteur privé exporté, importé, mais il y a pourtant qui nous exportent plus qu'ils nous importent, parce qu'il y a une grosse influence dans le calcul du PIB, etc. Okay? Sinon, si nous passons la vie importée, ne pas exporter, ne pas produire rien, ben, il nous faut un trou. Après, tom, nous rentrons dans le trou. Donc l'effort de l'exportation, depuis très longtemps, le pays, le secteur privé, essentiellement, il fait tous les efforts, qui est bizarre, pour diversifier le secteur. Donc, probablement, Kevin pouvait nous là aussi tout à l'heure. Nous commençons déjà. Par le sucre, il diversifie, il fait un textile, il fait les autres petites choses, seafood, en matière de produits. Après, il vient l'exportation des services, donc ICT, BPO, services financiers et bien d'autres. Le tourisme fait partie aussi des services, si je ne me trompe pas. Trompé. Donc, nous proposons tout ça là, donc ce capable de poser un peu de questions, donc nous pouvons essayer de répondre ensemble à la fin. Salut Lilaouti, quelle manière? Salut Dave, comment vas-tu? Merci d'accepter nous l'invitation parce que me pensais moi personnellement te connais combien vous trouvez l'importance de l'exportation, ok? Donc, ben, laisse-moi introduire toi Lilaouti et Mexa, qu'ils veulent faire apporte poisson, simili et compagnie. OK. Bonsoir tout le monde, ainsi que Dave et tous les collègues Kevin et Rachna. Alors, moi, je suis Lilaouti Ramjan-Dursuri. Je suis la directrice de la MEXA. D'abord, au niveau de la MEXA, c'est quand même l'association qui représente le secteur privé par rapport à l'exportation des produits de Maurice. La MEXA a existé quand même depuis 40 ans. Et il est tout le temps là pour défendre l'intérêt des exportateurs. Et comme nous tous connaissons qu'au niveau de Maurice, le dialogue en secteur privé, gouvernement, c'est un des succès derrière ce bon dialogue-là. C'est pas l'association qui fait le travail. C'est un rôle de ben, association fédérée, le secteur, pour avoir un meilleur dialogue avec tous les stakeholders, pas uniquement gouvernement, mais tous les stakeholders, internationaux et internationaux. Et c'est ça qui la MEXA fait. Alors, moi, à la MEXA et mon travail pour le développement du secteur, déjà depuis quand même 22 ans de service au secteur. On connaît tous les hauts, presque, tous les hauts et bas du secteur, mais bon, gré malgré, ben voilà, nous pouvons naviguer tout doucement pour l'intérêt du pays. Voilà, un petit peu de moi. Merci Lidauti pour cette introduction-là. Donc, Kevin, laisse-toi mettre le bloc. OK. Bonsoir à tout le monde. Dave, c'est qu'au niveau de l'exportation, Maurice, à la base, depuis
C'est pas juste 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais je me rappelle très bien, même dans l'histoire de Maurice, Maurice tout le temps utilisait comme un hub de transbordement à l'époque. Si je te rappelle très bien l'eau, la route des épices d'Inde, si nous retournons en arrière, même à l'époque, man arabe qui t'y servait Maurice, et aussi man les autres, man hollandais, etc., man anglais, français et tout. Alors Maurice tout le temps, il nous obligeait à exporter, hein, parce que nous un petit l'île au milieu de l'océan Indien, et très souvent, nous pensait, nous pas réaliser, en fait, quand nous prenons une map du monde, nous guettons côté était, il y a un peu, comment dire, une île Bora Bora dans l'autre côté de l'océan, là-bas, mais nous pensait que Bora Bora, c'est far remote, mais aussi nous remote, ça veut dire nous dépendons de l'eau, exportation pour créer la richesse, et aussi exportation parce que nous bisa casse rentrer pour nous capables d'importer les autres affaires. Bon, très bien, on va causer un peu plus dessus, Dave. Bah, alors, moi, pensais que c'est très une bonne initiative, encore une coup, Dave, c'est-à-dire, Vin, expliquer un peu la performance d'exportation, mais aussi un peu l'histoire et quels sont les challenges et going forward, quelles sont les opportunités going forward aussi. Merci Kevin. Donc, bon, pas tu sais les raisons. Hein? Donc, c'est un teamwork. Teamwork makes the dream work, comme on dit. Donc, Rachna, alors, donc Rachna peut représenter aussi la jeunesse féminine au niveau Pâques. Et Aussi jeune, donc, Dave, quoi, dans quelques il jours, pose pas aussi Span. jeune. Dans quelques jours, beaucoup, tous pensions dans une trentaine d'années encore, donc ça fait Tout peur. dort bien. Mais merci beaucoup à Kevin et Lila aussi pour cette présence aujourd'hui. Moi, mon pégé est un petit peu au niveau d'évaluation de la roupie, donc qui veut dire de nous ban impôts pour coûter nous beaucoup plus cher dans le futur. Dans les quelques jours à venir aussi. Et me penser peut-être, nous bien aussi réfléchir comment nous pouvons augmenter ben exportation pour qui nous car contrecarrer un petit peu sa burden qui pourrait présenter en termes de l'import. Et de ce fait, me penser qu'il nous bien donne beaucoup plus d'opportunités aux personnes pour qu'elles développent encore plus ben, nouveaux produits, ben, nouveaux. Un nouveau service, surtout au côté service, parce qu'il ne faut pas oublier que Maurice, sa plus grande ressource, c'est sa ressource humaine. Donc, peut-être, Lila Oti, ou dites-moi un petit peu, durant le débat, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de votre association, comment ce pays pense pour expandre ce secteur-là. Merci. Merci Rachna. Une longue question, mais très intéressante éventuellement, parce que Il a c'est aussi, parti. juste avant de te répondre, Lola, Oui. laisse-nous nous présenter un coup, un état des lieux. Oui. Okay? État des lieux par rapport à qui l'exportation des produits représentait, comment on l'y cassait. Donc, Kevin aussi pour partager avec nous certaines analyses par rapport aux dernières années. Okay? De là, nous carons dans le vif du sujet. Okay? Donc, c'est mon camarade l'Internet qui pourra capable suivre. Donc, là, il y a une slide qui peut paraître par rapport à un pays principal avec qui Maurice exportait. Okay? Donc, un pays là, comment se trouver. Donc, il y a un tableau qui est devant vous par rapport à l'export, à gauche et à droite, l'impôt. En 2019, la France représente 12,6% par rapport à l'exportation. Et l'importation, la Chine, 16,9%. Donc, pour concentrer l'exportation, donc Maurice exporte au Royaume-Uni 11,1%, États-Unis 10,8%, l'Afrique du Sud 10,4%, Madagascar 7%, Italie 5%, etc. etc. Okay? Donc, ça, c'est un premier tableau qui vient d'un état des lieux. Un deuxième tableau qui vous partage avec les autres, c'est par rapport aux produits, un produit principal qui nous exportait. Donc, qui représente en fait en exportation totale des produits en 2019 1,9 milliard de dollars, okay, pour l'exportation et 5,6 milliards de dollars en importation en 2019. Donc, d'après ce tableau-là, qui est sorti donc comme trade, et because 13,5% seafood, 10,2% cane ou beet sugar, etc., le tout.
6,9% men's or boys shirt knitted ou avec crochet, 6,2% t-shirt singlet, etc. Bon, moi, passe l'autre, tout ça là. C'est juste pour gagner des générales. Donc, un troisième tableau, cette fois-ci, nous pécose les services. Donc, les services, les représentent, donnez-moi une seconde, mon page, mon tableau de mon côté. Donc, services, nous pécose un total de 3,2 milliards de dollars exportés en 2018 contre 2,1 milliards de dollars de services importés en 2018. Donc, dont 59%, c'est travel and tourism, ok. 17,39 other business services, pas connu que ça veut dire other business services, donc Kevin t'a expliqué nous. Transportation, 12,9 financial services, 4,4 communication services, 2,4 computer information services, 1,7, etc. Donc on va passer tout ça là. Et un dernier tableau qui summarise en fait l'ensemble, c'est le total. Le total expôts et impôts, donc dépendant, comment nous dit, donc qu'un tableau qui compare 2015 à 2019, donc 5,6 milliards de dollars d'importation en 2019 contre 2,2 milliards de dollars en exportation de produits et en services, 2,1 milliards d'importation compte 2,9 milliards de dollars en exportation de services. Donc, le tableau-là, je pourrais aller de 2015 jusqu'à 2018. Donc, ça, c'est pour ma part comme un petit intro. Kevin, il a aussi quelques slides Steph, à expliquer pour l'histoire. Moi, pour essayer de faire rapidement, parce que Nathan finit couvert dedans, slide numéro 1, c'est il donne un état des lieux depuis 2011. C'est quand même sur l'écran, s'il te plaît. 2011 à 2019, il y a des charts, c'est-à-dire là-haut, quand ils montraient le nombre d'entreprises dans l'exportation, et nous trouvaient qu'il y a entre 2011 et ça peut être 300. C'est bien tes tableaux en orange et bleu, là. Oui, en orange qui peut diminuer, là. Et ouais, bleu en bas, voilà, c'est-à-dire là-haut, c'est qu'il y a en orange, là. Ils montraient qu'il y a le nombre de compagnies dans l'exportation, par exemple, qui en déclin, c'est-à-dire 1,239 à peu près en 2019. Bon, on n'est pas une surprise parce qu'il nous connaît, il y a beaucoup de compagnies qui, over the years, ils fermaient ou soit d'autres qui nous consolidaient ou non, qui délocalisaient aussi, comme on se connaît. Et après, il y en a aussi qui se connaît, qui pendant des années, chaque année, nous petit trouve un receivership qui arrivait de temps en temps. Nous connaît très bien. Bon, ça. Et puis, le tableau en bas, en bleu, montrait l'emploi. Hein, c'est-à-dire, obviously, il est relié d'une certaine façon. C'est-à-dire, avant, il y en a un peu plus que 55 000 dimoun et puis on arrive un peu au-dessous 45 000 en 2019 et que ben, ça traîne là, nous connaît très bien. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous connaît qui, dans beaucoup d'entreprises, nous importent Mandimoun ailleurs. À un certain moment, nous t'y importe depuis la Chine, si fini la Chine, t'y vin l'Inde, si fini l'Inde, t'y vin Bangladesh, etc. Parce que bon, arrive un moment, nous, développement du pays, nous main-d'œuvre locale, une vine comment cher et tout. Bon, ça n'est pas une surprise. Le prochain tableau, Dave, c'est des graphes, des bar charts d'un seul, c'est-à-dire quand ils montraient toi au niveau d'exportation, un peu ce que tu peux discuter, tu allais là, quoi, écoute, exportation est en orange et importation est en bleu. Bon, la raison qui fait mener à inclure importation aussi dedans, pourquoi il est important, c'est-à-dire souvent, parce que tu as la quotidienne d'affaires, c'est-à-dire nous sommes capables d'exporter, produire pour nous importer, acheter, importer. Ben, bon, on connaît une session, ça, je dis là, dans l'économie, quand nous pourrions expliquer un peu dans sa problématique qui nous rentrait, et qui est clair, qui, depuis plusieurs années, qui nous a importation deux fois plus, deux et demi fois plus qu'il nous a exportation au niveau de goods. Hein. Bien sûr, nous exporte aussi ben, services, au niveau des services financiers et aussi au niveau du tourisme qui n'est pas reflété là-dedans. Mais au moins, ça, il est important pour Dimoun capable de comprendre le problématique qui peut venir depuis 2005, qui peut venir. Okay. Le prochain slide, Dave, quand tu as là, tu as connu ça un peu au niveau de l'exportation qui m'a marché, en gros, c'est 50% plus ces marchés européens. Et après la balance, c'est entre, pas bien, nous exportons aussi un peu l'Amérique, nous exportons aussi un peu l'Asie et un peu l'Afrique. L'Afrique, c'est aussi principalement l'Afrique du Sud. Bon, là-dedans, c'est que c'est important aussi dans le sens que, pour comprendre, parce qu'on a exporté,
Nous gagnons différents types de devises, hein, parce qu'ils ne te disent même pas payer nous avec même la monnaie. Ils ne disent pas payer nous en roupies, certes, ça je bien comprends. Okay. Alors, mon européen exporte en euros, mon anglais exporte en sterling, etc. Bon. Après, aussi, moi, pensez, il y a pour autant, qui t'a peut-être nous beaucoup ça, c'est-à-dire comment, going forward, la géopolitique vient au niveau de l'exportation. Comment ça marche là pour crafter, going forward, eventually, avec bien sûr, l'ère de post-Brexit d'un côté. Bon. Le prochain slide, Dave, ça n'a l'air si nous capables, bon, quand on finit couvert ça, hein, c'est-à-dire nous trouver le prochain slide, c'était même pays d'exportation. En termes de ranking, nous trouvons l'Afrique du Sud, l'Angleterre, la France, l'Amérique, même pays qui plie, qui est en pole position quoi, au niveau de mon export market. Et puis, le dernier slide qui montrait l'évolution de la monnaie locale, c'est-à-dire roupie vis-à-vis dollar et roupie vis-à-vis l'euro, parce que c'est important aussi. Nous devons comprendre les affaires, c'est que quand nous guettons l'exportation, nous avons tendance à guetter en roupie, mais nous devons guetter en valeur réelle en euros ou en dollars aussi. Okay? Parce que, à the end of the day, quand la roupie glissait vis-à-vis de notre foreign currency, il donne un mauvais pressentiment qu'il nous capable de faire bien au niveau de l'exportation, mais en fait, nous pas faire bien, peut-être nous faire même pire qu'il l'année dernière ou l'année d'avant. Le seul truc qui fait à nous penser qu'il nous peut faire bien, c'est qu'il le fait que la roupie glissait. Ça, c'est un exercice comptable, ça, mais exercice comptable, la bottom line, c'est qu'il, Mme Mauricien qui paye nous, exercice comptable, jamais rempli vente, hein. C'est un exercice réel. Alors, l'exercice réel, nous avons été tout le temps hard currency. Voilà, quoi, parce que, comment je le connais très bien, Zimbabwe déprécié sur l'argent, sac 10 euros, mais est-ce qu'il y fait bien? Non. Alors, c'est à cause ça qu'il est important de nous guetter en monnaie en euros ou en dollars, foreign currency. En plus, le fait qu'il m'ont dit, là, qu'il nous importe en forex. Voilà. Voilà un peu d'Ève, et puis nous, pour continuer, Talia. Merci. Merci, Kevin. Donc, voilà, l'Ilati, nous fait un petit état des lieux. Donc, comment nous dit ça, nous un petit bouche là. Donc, nous laisse le plat principal avec toi. Un bon OK. poisson grillé. Allez, à vous de me dire, qu'est-ce que vous voulez entendre? Donc, explique-nous comment, au niveau de la Mexa, par exemple, qui se peut faire pour qu'il soit capable de rebooster. Okay, nous connaissons comment racheter un dire. Donc, nous avons fait finalement plus d'efforts, surtout devant une période difficile. Okay? Souvent, on s'y attention peut-être. Donc, peut-être à l'état des lieux devant l'entreprise à Maurice dans son secteur d'exportation de produits, qui m'a une difficulté, je peux gagner aussi. Et peut-être après, nous connaissons une proposition. OK, merci Dave. En tout cas, merci à l'équipe. Hein. Moi, assez étonnée, agréablement surprise par un shovel qu'ils ont fait, qui quand même touche un petit peu de tout du secteur. En tout cas, beau travail. Voilà, alors le secteur, quand même, il existait depuis déjà 50 ans. L'année dernière, nous fêtons 50 ans. Et qui commençait le 1er juillet 1971, plus précisément, c'est l'année ici, nous fait ce 50 ans. C'est un secteur qui in prend son ampleur dans l'objectif du gouvernement qui était de diversifier from a monocrop économie, nous dit du cycle, comment Kevin dit dire. Après, là, le secteur textile est rentré, surtout pour surfer sur la vague du fait que nous tenons un trade agreement, duty free and quota free access sur l'Europe. Et c'était une très bonne décision, comme on appelle ça, une wise decision of the government to diversify the economy. C'est exactement Singapour, ce qui me fait un peu. Et là, c'est un secteur depuis 50 ans qui connaît ses challenges, ups and downs, parce qu'il vend sur le marché international. Alors, comment on nous dit, comment le marché éternué nous catch up. Sans flou, mais seulement over the years, il y a beaucoup de challenges, il y a so, ben, non congé qui vini, in aller, non gain ben expatrié qui reprend un petit peu la barre avec surtout avec full employment, le secteur connaît différentes crises financières et là tout d'un moment nous connaît COVID. Alors, mais c'est un secteur qui il m'a besoin de dire au cours des années il montrait sa résilience. Certaines parcours de le secteur, certains moments donnés, je ne pose pas le poids, mais le secteur reste constant sur les années et il montrait sa résilience économique.
Et Mobizan dit, l'in kon développé au fur et à mesure, l'in adapté li au fur et à mesure. L'in essentiellement textile et habillement, mais l'in diversifié li au fur des années. Dans les late 80s, allons dire fin des années 80, nous trouvons le seafood qui rentrait, l'in diversifié li petit à petit, nous trouvons seafood qui rentrait, bijouterie qui rentrait. Et là, nous permettons plus le light manufacturing. Nous retrouvons maintenant tout dernièrement le medical devices une rentrée, un secteur qui peut prendre ampleur de plus en plus. Nous trouvons le secteur rhum, et comment nous pouvons exporter nos vins rhum. Aujourd'hui, nos rhum est un des premium rhum, considered as a premium rhum in the world. Nous espérons que mon veut que ce secteur-là, cette exportation, doublée ou même triplée dans les années à venir. Light engineering, why not in terms of research and pharmaceutical sector? C'est un secteur qui, on a quand même une admiration pour les opérateurs parce que même le secteur textile et habillement qui est essentiellement dominé par les Hongkongais et nous tu peux faire uniquement un t-shirt basique. Aujourd'hui, nous pouvons faire un petit peu un haut de gamme, middle to high market. Aujourd'hui, nous pouvons vendre une compagnie comme High Brands, comme Armani, Lacoste, dans Maurice, Gasté de Maurice, alors que tout le monde sait quoi, que ce secteur-là connaît plus exister, le secteur textile et habillement. Alors, le secteur est continuellement une réinventé. Maintenant, ça, c'est en termes de produits, mais par contre, en termes de marché elle-même, nos marchés restent quand même le marché européen. Mais au fur et à mesure, vous trouvez au fil des années, nous commençons à attaquer un petit peu le marché américain, le marché sud-africain. Mais ce qui aide nous beaucoup, parce que, comme Kevin t'a dit tout à l'heure là, Maurice trouve les lois. Il trouve un petit point sur l'océan Indien, loin de tout sur le marché. Mais n'empêche qu'il peut continuer à développer. C'est surtout du fait que ce qui aide nous beaucoup, c'est le trade agreement, ce qu'il m'a réussi à faire avec les autres pays du monde. Aujourd'hui, nous avons le AIPA, nous avons le IPA sur l'Europe, nous avons l'AGOA, nous avons COMESA, nous avons la SADC. Tout récemment, nous avons la Turquie, nous avons bilatéral avec la Turquie, le Pakistan. Et tout récemment, ce qui nous peut causer, là, nous finalisons le trade agreement, le free trade agreement avec la Chine et l'Inde. Alors, c'est et mon cas, nous pas exporter uniquement ça ou pour surpris qu'ils ont dit nous peut exporter nous dîner sur la Chine, nous peut exporter nous la bière sur la Chine, nous peut exporter nos produits de cuir sur New Zealand. Alors, nos tentacules ont un petit Maurice, un petit opérateur incroyable, mais c'est vrai. Alors, aujourd'hui, même avec COVID, alors, qui, nos secteurs, nos collègues secteurs, l'hôtellerie, pas peut trop faire bien, et nous connaît, Kevin, vous connaissez bien, que l'économie, nous exporte l'aide économie, nous bien besoin de vis pour l'économie, il y a des secteurs qui amènent beaucoup plus de devises, c'est l'hôtellerie et l'exportation. Alors, qui, dans le COVID, le secteur, l'hôtellerie, pas trop performe well, mais nous, le secteur, il continue là. Nous continuons à exporter. Tant qu'il y a un bateau et un avion, nous sommes capables de continuer à exporter. Aujourd'hui, le secteur, quand même, il n'est pas in faire le top des tops que nous avons fait dans les 44 milliards, 42 milliards d'exportation, mais pour l'année COVID, nous avons fait 39 milliards d'exportation, uniquement une baisse dans les 10% qui est à peu près dans les 10%, même si ce n'est pas réel, c'est nominal, mais n'empêche qu'il est là. En termes de quantité, quand nous guettons la quantité, nous ne parlons pas uniquement de real value, mais nous look also the quantity exported, parce que ça, c'est vraiment comme un pour factuel du secteur. Nous comptons, nous assez satisfaits de la performance du secteur. Aujourd'hui, le secteur, pour une autre façon qu'il nous peut trouver, qui c'est qu'il continue à évoluer aujourd'hui, qui fait le secteur il fait bien parce que par exemple, le secteur textile et habillement, nous peut exporter, nous peut vendre à des e-commerce retailers. Nous connaissons pendant COVID tout le marché aujourd'hui, magasins fermés, mais dis-moi, nous continuons à rester online. Online sales, in triple, voire même quadruplé pendant l'année COVID. Et ce qui nous dit bon, c'est que nous, au niveau de la MEXA, nous avons come up avec l'idée de speed to market, où nous utilisons, transforme le secteur. Tout le temps, nous, constamment, en tant que MEXA, réfléchissons stratégiquement pour le développement du secteur.
Et 4 ans de cela, nous avons le gouvernement du Rwanda, le fait que nous loin de nos destinations, il est important nous pas capables compétir avec nos compétiteurs qui sont Bangladesh, la Chine sur le coup. Mais par contre, nous bien capables démarquer nos compétiteurs sur d'autres facteurs. Nous capables aujourd'hui d'exporter plus vite. Et aujourd'hui, nous connaissons les clients pas en vigueur beaucoup de stock. Ils sont contents ou donner ce produit là et les vendre tout de suite. So basically, c'est important de nous rapprocher le marché mauricien vers nos clients. Quand les là qui active booster, nous en tant que Mexa, le gouvernement, ben aide-nous à transformer le secteur pour qu'on nous exporte plus vite. Ou aujourd'hui, le speed to market, comme ça le j'appelle ça le trade and promotion marketing scheme, qui aide-nous exporte de plus en plus par voie aérienne, c'est-à-dire nous exporte beaucoup plus vite. Et ça, il permet nous développer une clientèle de e-commerce. Et sa clientèle-là, qui, par exemple, le secteur textile et habillement, continue à exporter pendant COVID. Nous, nous avons fait un survey l'année dernière, juste après le confinement, en mai, qui nous expecte que le secteur pour une baisse de 40%, mais nous finissons l'année avec uniquement moins 10%. Qui est quand même très bien. Alors, le secteur, pendant ces 50 ans, Simona, pour décrire, il a constamment évolué ce produit, produit par produit, à la quête, to the quest of new markets, nouveaux marchés, nouveaux produits, essayer de faire de mieux en mieux suivre la tendance du secteur de notre marché. Parce qu'ils ont dit, le client même, ils sont sans ils ont dit, client a envie de connaître ce produit, comment on peut faire. Comment on peut faire? Nous avons besoin d'assurer une transparence sur toute la chaîne de production, une exigence énorme. Nos pensées, nous sommes capables de faire lire. Nous dit le requirement, c'est qu'il nous vienne un peu plus green. Nous business un produit une production green production ça aussi nous peut investir so en tout temps une transformation un dynamisme dans le secteur qui fait que le secteur qui quand même développe sa résilience et nous tout temps transformer pour capable adapter à tout un challenge. Merci Lila Oti pour ça bon exposé. Donc Kevin l'estoffe Lambeau. Oui, Qui nous non, a mais fait écoute. cette fois-ci pour nous avancer à plus grands pas? Bien sûr, écoute, bon, déjà, il couvert plusieurs topics dessus, expliquer l'évolution, mais aussi qui vient faire. En fait, moi, la plus question ce soir qui vient donne réponse, si nous l'est, moi, penser, bon, disons, moi, l'observation aussi, c'est-à-dire, surtout, il mentionne, par exemple, qu'il y a une croissance au niveau online. Tout ce qui peut arriver au niveau achat, hein, c'est une vérité. C'est-à-dire, même avant la crise COVID, en Chine, tu peux trouver, par exemple, online buying qui dépasse 20%, et là, il arrive pratiquement 30%. En Europe, The Today, ce qui est intéressant, montre-toi un peu comme si the old continent versus the new continent. Et là, on trouve clairement Mandimoun, c'est-à-dire un pays qui adapte de technologie, c'est-à-dire en Asie surtout, comment maintenant far ahead en termes d'utilisation de technologie pour faire ce plan d'achat. Après, nous connaissons très bien qui, pendant plusieurs années, 10 ans, puisqu'ils 10 ans, nous trouvons la percée de un géant comme Amazon, qui nous tout connaît. Pas très loin de chez nous, comme on disait, pas très loin de chez nous, c'est-à-dire que ce soit de Maurice en Afrique, un équivalent d'Amazon, the first unicorn d'Africain, qui est potentiellement, qui appelle Jumia, qui était listé 2 ans de cela in the New York Stock Exchange, qui à l'origine, sorti en Afrique, qui est un équivalent de l'Amazon, nous trouvons, moi ici, ça booste depuis la crise de COVID, comme on dit, mais bascule de plus en plus online. En Afrique du Sud, ce qui est intéressant, bon, après ce qu'ils nous trouvaient aussi un peu en Europe, traditional shop, c'est-à-dire Woolworth, Mr. Price, qui nous connaît par exemple, qui est aussi dans Maurice, qui mène là, depuis l'année dernière, la crise de COVID, the PFR, une croissance de 25 à 30 % achat online. Pour moi, il clair à sa direction qu'il peut aller là online et nous peut trouver qu'il man traditional, qu'il appelle man traditional brick and mortar shops, c'est-à-dire là dans Londres, nous connaissons H&M, Marks and Spencer, etc., qui se tout, il n'est pas either or, c'est-à-dire man ce qui est déjà traditional, mais servi online pour assurer qu'ils ont continué Tout à notre fait. market share, qu'ils n'ont pas Tout à perdu fait. notre market share.
Voilà. Ouais, ça peut Après, tenant transformer. en parallèle, tenant en l'autre, c'est que tenant un nouveau, qui zot ze pape vin faire ou ouvert traditional brick and mortar, ze pape direct online. OK? En Afrique du Sud, par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Takealot, qui bah, nous peut trouver comment bah, il peut importer un produit pour les vendre retail. Bon, peut-être la question qui est moyenne pour moi, peut-être une question à poser, c'est dans sa réflexion-là, est-ce que Maurice, par exemple, nous tout le temps produit à main d'affaires, mais est-ce que nous sommes capables de faire certains deals avec une plateforme online, que sa intellectual property, sa backbone-là, basée Maurice? Okay, par exemple, pour l'Afrique, par exemple, Jumia, qui est listée au New York Stock Exchange, qui est une African company, pour moi, should be based in Mauritius, par exemple. Okay? Et là, comment nous sommes capables de faire ça symbiose, que de nous faire production, go-to-market, much, much quicker? Parce qu'ils ont dit, nous pouvons trouver un maximum de flexibilité, de customization, qui longtemps nous patinait à ce même choix-là. Toi, c'était un t-shirt, tu rentrais, tu as besoin d'un magasin. Et tout, tu peux choisir, même couleur ou n'importe qui taille, et qui maintenant, nous avons la possibilité de customize. Alors, comment ça peut bien impacter aussi la machinerie, disons, au niveau de Maurice? Parce qu'avant, nous avons petit gamin de commande, petit gamin de commande, one season in advance. Et un peu en parallèle aussi avec le secteur du tourisme, hein, quand on a la visibilité pendant un an, après, il y a 9 mois, après, il y a 6 mois, est-ce qu'il sape ça délai-là, il y a très court, qui m'a un challenge, qui, un opérateur mauricien pour bizarre deal with. Alors, bon, comme on a plus de questions ce soir, c'est peut-être moi une question, c'est deux questions, c'est-à-dire en termes de technologie impact, comment nous attirer à cette plateforme-là, et puis deuxième, au niveau flexibilité, c'est-à-dire les temps qui te gagnent et te order, et les temps qui te besoin supply, comment ça fait collapse, quoi? Alors, ta première question par rapport à e-commerce business elle-même, comment nous capables d'attirer cette plateforme-là, ici où travaille Exode. Deuxième, nous lead time. Mon prends ta deuxième question, après mon une première question, parce que mon pensée est liée, Kevin. Le lead time, aujourd'hui, comment nous peut dire, il y a une compagnie, un pays, encore garde ce lead time de 3 mois ou 4 mois, depuis que tu as fini commande, tu prends commande, est-ce que tu as livré, right? Mais nous puis envie, éventuellement, en tant que Maurice, développe nos competitive advantage on shorter lead time. Parce que, comme tu connais, les clients, quand tu as donné les 4 mois sur un warehousing, il y a un cookie derrière et ils adoptent les costs. C'est là que nous nous démarquons pour dire comme ça, OK, we will build up our competitive advantage on shorter lead time. Et aujourd'hui, nous visons adapter nous aux clients. Aujourd'hui, tu as trouvé que tout le monde, beaucoup de clients, sont fragilisés par le COVID. Tu peux bien capable, si tu as envie, nous, Maurice, nous qui nous fait deuxièmement, c'est build up a customer relationship, a customer supplier relationship. Tu as besoin de comprendre ton client. C'est une relationnelle, ça. Tu as besoin de comprendre ton client, quel problème il était dans, quelle situation il était, adapte-toi à lui. C'est une question de trust. Et c'est mon pensée, c'est ça que nous faisons pendant les années. Et aujourd'hui, nous travaillons sur ce concept de shorter lead time more and more. Alors, nous n'est plus dans ce modèle de mass production, Maurice, nous, parce que nous payons une main-d'œuvre qui a bon marché, une réalité de notre pays. Mais vu notre réalité de notre pays, comment nous capables toujours garder le secteur vivant, c'était ça qui motive nos réflexions. Parce que nous avons une main-d'œuvre qui est chère, mais n'empêche qu'il nous est capable de produire pour un brand qui est middle to up market. Et ça, banal, c'est le short lead time. So basically, un attribute d'un secteur, c'est travailler sur le short lead time. Et clients aussi, mais de plus en plus exigeants. Parce qu'il a envie de se produire, il n'a pas envie d'attendre qu'il te dise, non, tu connais mon shipping, mon bateau, prends-moi 40 jours pour venir l'Europe, ou 50 jours, 60 jours. Il n'est plus ça. Il est bien capable d'avoir sa flexibilité en termes de livraison. Shorter lead time, c'est la flexibilité et c'est ça qui nous peut développer de plus en plus dans le secteur.
Maintenant, e-commerce, au niveau de la MEC, ça nous tient une réflexion. D'autres, déjà, nous trouvent sa opportunité de e-commerce quand même. Et nous, on a beaucoup de compagnies, Mokad, une ou deux, trois compagnies, déjà fini commence de peut-être sa opportunité B2C. Appelle ça B2B ou B2C. B2B, c'est sa deuxième mobile, à un mobile. B2C, c'est direct to the customer. Et c'est ce qui nous peut guider, c'est ce qui est notre potentiel pour Maurice qui nous capable de développer sa B2C business. Malheureusement, nous avons fait une étude en tant que médecin, deux ans de cela, pour développer, nous avons envie comme médecin, c'est ce qui nous capable nous-mêmes, parce que nous avons un bon produit de qualité qui est bien prisé, et ce qui nous capable de développer une e-commerce platform pour Maurice. Mais la taille de notre secteur n'est pas valide le fait qui te bise pour un e-commerce plateforme parce qu'avec et surtout qu'avec la compétition de Amazon voilà les nouveaux gars compete so basically nous pouvons encore réfléchir comment nous pouvons maximiser cette opportunité de B2C tout en gardant le B2B. Un B2C pas pour remplacer le turnover, la grandeur de notre secteur exportation au jour le jour, Kevin. On fait make no mistake. It will take time. Parce que le fait que tu peux customize your product, it takes time. C'est vrai que les clients ont dit qu'ils peuvent payer une valeur ajoutée pour ça. Un plus pour ça. Mais au jour le jour, il ne peut pas remplacer un secteur d'exportation de la magnitude qu'il y était. Il vous prend le temps. Mais, Maurice dit, nous pouvons continuer à étudier l'aspect-là. How do we optimize on this opportunity? Parce que surtout qu'une compagnie commence à faire à petite échelle, mais nous pouvons continuer à réfléchir dessus. Même peut-être un partnership, comment on dit, but it's something, it's food for thought, and we are au niveau de la MEXA, nous pouvons continuer à réfléchir à ça. Mais Lila, tu me poses une petite question avec sa crise COVID là. Est-ce que les compagnies aériennes qui en ont moins de vols par semaine et tout, est-ce que ça n'a pas affecté vraiment sa e-commerce qui se perd d'amener là? Non du tout. Alors là, pour le moment, nos e-commerce business, c'est surtout que nous pouvons vendre directement à des e-commerce buyers, right? But online buyers, comme Asus, comme Gymshark, ça nous peut vendre, ça maintenant, bah, nous peut vendre directement. Hein. Ça, c'est que Kevin India, c'est B2C, c'est-à-dire qu'ils nous vendent, comme un Amazon, nous vendent directement à un client final, direct. Mais ça, vous prend sur les temps. Il est en étude et nous prend sur les temps. Ta question, c'est par rapport à la connectivité. Est-ce que le fait que nous avons COVID, le nombre de vols est diminué, est-ce que ça a impacté nous l'exportation? Surtout pas. Au niveau de la MEXA, dès le début du confinement, je me rappelle l'année dernière, nous entamons une discussion avec MK parce que c'était important de garder Maurice connecté avec son client. Je ne suis pas capable d'avoir une rupture dans mon livraison, mon commande à mon client parce que mon client peut continuer à vendre. Hein. Alors, MK, il joue le jeu. Et les nationaux dévolent par semaine au début du confinement, c'est-à-dire vers le mai-juin. Et les scale-up, nous bien contents du fait qu'ils nous gagnent un support total de MK et le gouvernement. Même à un moment donné, dans le mois octobre, novembre, décembre, qui est le peak season, ils ont le même scale-up tout 5 ou 6 vols par semaine. En sus de cela, nous avons aussi Air France qui mettait des continuer sur un vol sur Maurice, Air France il y en a déjà 3 ou 4 vols réguliers sur Maurice. So, en termes de connectivité aérienne et maritime, également maritime, on n'a pas eu de soucis. Mais par contre, le coût de fret est augmenté, c'est sûr, parce que avec le supply chain disruptions, le coût de fret à l'international in vraiment, I mean, upside down, et que le coût de fret est même doublé ou triplé. But well, this is the reality for the time being. Merci Lila. Tu as une question, hein? Donc peut-être rapidement par rapport à un camarade qui n'est pas trop connecté, ça veut dire Speed to Market, par exemple, qui est une contribution de l'État par rapport à on peut appeler ça le Trade Promotion and Marketing Scheme, Dave. C'est le Trade Promotion. Comment l'y passer rapidement pour au fait, alors éventuellement, si c'est une aide du gouvernement,
gouvernement. Si tu offres que toi 10 roupies, ben, le gouvernement donne toi 40 à 60% du 10 roupies, tu vois, en termes de coût de fret elle-même. Parce que le coût de fret à l'aérien coûte 10 fois plus cher, presque 10 fois plus cher qu'un coût maritime. Par kilo, c'est-à-dire kilo par kilo, le coût fret maritime et coût fret aérien, c'est 10 fois plus cher. Bien sûr. Et c'est là que nous disons au gouvernement, ben, aide-nous temporairement, développe sa stratégie speed to market, c'est-à-dire exporte beaucoup plus vite et avec un lead time beaucoup plus réduit avec nos clients. C'est ça, nous transforme le secteur en speed to market supplier, manufacturing destination. OK. Et tout mesure comme ça, toute transformation dans tout le monde, Byzantie pousse de l'État. Ah, c'est ce qu'a qui nous normalisé, c'est là qui tout reprend par le secteur. Si tu tiens un pour choisir, il 3, 4, 5 produits ou secteurs que tu penses est dans le most value add, qui plus vaut la peine de faire un maris effort pour le pays. On n'est pas oublié, hein, nous 400, combien de milliards, on connaît, de dettes qui nous visent où ça se trouve là, de manière causée. C'est peinant. Ne pas qu'à dire du moins n'importe moi, ceci, nous faire des efforts par rapport à faire créer plus local, hein, mais c'est nous exporter beaucoup plus. Donc, ça, les temps que ça prend pour se rattraper, ça, récupérer ça problème hein, de dette là. Donc, nous faire plus d'efforts l'exportation. Qui m'a 3, 4, 5 que tu peux dire que tu es dans the most value qui make sense, que tu peux mettre un maris effort, aller dans 5 ans nous récupérer les affaires là. Écoutez, au fait, ta question très pertinente et ton pic, comment nous dire, parce que c'est une réflexion qui nous peut faire actuellement à la MEXA. Et ça cadre surtout avec le budget qui peut venir et de pas ça, moi, j'ai une réponse pour toi, moi, c'est à thème ta tête. Pour le secteur d'exportation, monter en termes de valeur ajoutée à l'économie mauricienne, Topo Bizin est tout souvent sous-secteur. Right? Les comédiens, moi, tout en prend l'exemple d'un ami qui a cinq les doigts. Pour Salamé, la faisait faux, c'est cinq les doigts, la faisait faisait faux. Right? Bien sûr, les faux qui te demandent avec cinq les doigts, là, pas pareil. Il dépend de ce développement, ce degré de développement. Alors, le secteur, nous n'avons pas de traditional sectors, notamment textile et habillement, seafood, bijouterie, qui est là depuis quand même des décennies, avec un secteur émergent qui peut rentrer. Les trois secteurs qui m'ont mentionné, déjà, les A3 contribuent 84% de l'exportation totale du pays, et les émergents, tombent dans les cadres des 16%. Quelle stratégie nous faire pour que ce secteur-là amène beaucoup plus de valeur ajoutée dans l'économie mauricienne? Alors, l'idée dépend du secteur à secteur. Par exemple, le secteur textile et habillement, c'est qui nous peut redévelopper, qui nous transforme le secteur, surtout à textile production base. Nous trouver qu'aujourd'hui, c'est Maurice, nous quand même un petit avantage par rapport à capital intensive. Nous on a beaucoup de capacités capables pour développer un secteur textile à Maurice, avec plus textile, veut dire produits textiles et tissus. Avec une stratégie commune avec Madagascar et la région. L'aspect régional là pour jouer pour le développement du secteur textile et habillement Maurice. Nous pouvons tout en la base garment, ça veut dire produit. Comme on dit, garment, c'est chemise, pantalon, nous pouvons tout en the middle and high market. Mais c'est moins important qu'une matière d'investissement. C'est le secteur, si mon besoin de dire, nous pas malheureusement, le secteur d'exportation pour y amener beaucoup plus de valeur ajoutée dans l'économie mauricienne. Malheureusement, ce niveau de l'investissement très, 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 très faible. Industrial FDI dans le secteur, il reste très faible. Et au fait, il peut chuter, dernière année, il peut diminuer, il peut aller même. La réflexion, c'est comment on est capable d'attirer beaucoup plus d'investissements dans tout ça, dans ce secteur-là, dans tout ça, cinq les doigts là, mais là. Merci.
Alors, pour moi, ta réponse, Dave, serait quelle stratégie nous développer nous pour chaque sa 5 les doigts à la mina? Parce qu'il n'est pas capable d'aller sans l'autre. Alors, nous pouvons développer une certaine sub-sector stratégie pour qu'il amène beaucoup plus d'investissement, diversification et beaucoup plus de complexité dans chaque secteur pour qu'il, en finalité, les booste de valeur ajoutée dans l'économie mauricienne. En parlant de seafood, quelques jours de cela, quelque chose qui me fait très polémique à Maurice, c'est que Enlil, qui est entouré par la mer, il importe 400 tonnes, il peut bien importer 400 tonnes de poissons congelés. Et au PDA qui nous exporte poissons, mais il n'est pas counterproductive dans ce cas? Rachna, il y a deux différents poissons. Le seafood de Maurice, pour le moment, l'exploitation seafood est basée sur tuna. Yellowfin, skipjack tuna. Et ça, nous, malheureusement, dans nos de l'eau, dans nos grands espaces IIZ qui nous est là actuellement, Maurice, malheureusement, toute une recherche il fait en termes de deux types de tuna qui ce sont les matières premières pour nos canneries dans Maurice, notamment Princess Tuna, nos canneries, notamment Princess Tuna, nous pénalisent dans nous de l'eau. Right? Alors, ça nous paye des ans, nous paye besoin pour importer à travers Seychelles, nous paye importer. Par contre, la poisson qui vous peut dire là, qui vous peut faire référence, ça le dit Musclefish. Capitaine, mon capitaine de poisson, ce nom, capitaine, l'appel. L'appel. Cato, ce sont les dimensional fish. Et ça, nous vraiment, nous riches dans nous de l'eau. Right? Et c'est ça qui nous peut dire, nous avons un gros potentiel, exactement ça, ça riche dans nous de l'eau. Et nous peut bien éventuellement, là, nous avons une réflexion qui nous peut faire avec le ministère de la Pêche, comment nous capables permettre nos bateaux à pêcher beaucoup plus pour nous capables d'exporter. Une autosuffisance de Maurice, nous pour développer un petit peu pour nous vendre beaucoup plus vers le marché local, mais aussi capable d'exporter. Parce que mon cas, il y a 20 poissons, des muscle fish qui trouvaient dans nous de l'eau, il est vraiment bien apprécié par le marché international. Et ce premium qui nous gagne dans ce produit-là, assez intéressant. Mais il est important que d'abord, nous guettons le marché local. Right? Le marché local et l'exportation. Nous pouvons combler les deux. Nous pouvons faire une stratégie sur les deux fronts pour le bien-être de l'économie aussi. Absolument. Peut-être une petite réflexion, là, ce qui fait dire, c'est-à-dire par exemple, si nous guettons l'histoire de Maurice très souvent, dans différents secteurs, hein, que ce soit le sucre ou même le tourisme ou le textile, très souvent, l'expertise à la base, t'y sortit ailleurs. C'est-à-dire, man hongkongais, t'y vit Maurice, le sucre, c'est man hollandais, le tourisme, t'y connu ça la dernière fois, par exemple, avec Saul Kuzner, qui est un grand hôtelier, un grand investisseur dans l'hôtellerie, qui démarre la machinerie un peu et tout. Moses Fedia, par exemple, parce qu'il y a une donnée qui changeait au fil des années, sur 10 ans, 15 ans, par exemple, nous trouve dans plusieurs pays en Afrique, qui n'est plus comment société 10 ans de cela, c'est-à-dire côté de la démocratie, côté d'une certaine confiance d'investissement, et aussi une certaine partenariat avec au niveau de géopolitique, que soit la Chine ou l'Europe, etc. Et maintenant, Pégaï, man marché, hein, vous pouvez trouver là, avec post-Brexit, par exemple, comment l'Angleterre a ouvert man marché, par exemple, au niveau du Ghana, par un exemple. Nous trouve la Chine, comment l'Insevi, comment un team-up avec l'Éthiopie, comme une plateforme pour l'exportation vers l'Europe et tout. Et là, nous peut trouver l'investissement dans l'Éthiopie qui peut rendre beaucoup dans l'agro, la grille agro. Et nous peut trouver là, tout récemment, le week-end, enfin, juste avant le week-end dernier, maintenant, on peut faire un gros investissement dans dairy farming and processing, que the pays eventually export beyond Ethiopia, within Africa, avec l'accord qui est là avec AFTA, et aussi l'exportation vers l'Europe et Middle East, parce que c'est un peu bien positionné logistiquement. Alors, ce que je veux dire, c'est que ma donnée même a changé au niveau, beaucoup de données ont changé, en fait. Ça m'a un competitive edge qui nous tient peut-être 20 years ago, quand on était cause la Goa, si je te rappelle très bien. Il y en a beaucoup, ça m'a un competitive edge. Il n'est plus là aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des affaires qui sont en mouvance. Bon, dedans, on pensait quand même nous faisons nimble. Et nimble, là, veut dire, par exemple, moi, je pensais à une opportunité, par exemple, sur le marché sud-africain. Comment dire, le marché sud-africain, c'est ce qu'on appelle mid-tier
manufacturing companies qui opèrent très bien en Afrique du Sud et Southern Africa, c'est-à-dire qui incluent Botswana, Namibie, etc., qu'ils ont dit dans un mode d'expansion au niveau de l'Afrique. Et pour moi, ça aurait dû être logique qui nous observe ces autres, by the way. C'est-à-dire pas ceux qui, comment dire, vis-à-vis une tape la porte, EDB, pour venir dire, s'il vous plaît, est-ce qu'ils me pensent. C'est-à-dire avant même qu'ils maintenant fassent sa réflexion-là, nous, au niveau Maurice, nous observons choisir maintenant dans mon secteur. Il y a plusieurs secteurs au niveau engineering, soft engineering et tout, pas juste textile, hein. Même au niveau l'agro, quand me pensais à une opportunité pour amener d'autres Maurice, et soit pour faire added value dans Maurice, ou soit même start from scratch et tout. Et ça, peut-être, on peut dire ça, peut-être parce qu'il y a un budget qui peut venir, et comme on a un représentant au niveau MEXA, moi, l'impression, moi, pensais Mauricien pas au courant de ce marché-là, parce qu'ils n'ont pas bien dans le marché sud-africain pour connaître qui l'endroit, bizarre, le rôle de sa second tier-là, by the way, l'équivalent IBL ou n'importe quel gros conglomérat dans Maurice. Mais les autres owned by one guy or one family dans un endroit spécifique, par exemple, dans une province. Et me penser les vendables dans cette direction-là, parce qu'il y en a beaucoup mid-tier South African companies qui peuvent go beyond South African borders au niveau exportation. Et me penser en un jeu pour faire une possibilité pour attirer ben là, certains là-dedans. Quoi. Et me penser peut-être ça aussi pour amener une certaine expertise qui nous paye, parce qu'ils ne sont pas experts dans tout. Hein. C'est impossible, quoi. Kevin, il y a une question pour vous. C'est au niveau de ce qui vous fait que, go over. Pourquoi est-ce que, because blue economy depuis des années, mais pourquoi est-ce que ça tarde vraiment pour pick up? Et aussi, il a aussi profité, il finit poser une question, hein, comme quand Kevin finit au carré pony. L'année dernière, me rappelle bien, au PDL Yellowfin Tuna, à un moment donné, Tina, elle m'a sanction ou restriction, si je me trompe pas, sur le quota. Donc, Kevin et puis Lilauti, merci. Bah, écoute, c'est marrant de te poser la question. En fait, moi, je pourrais suggérer Dave à la fin pour dire qu'il peut-être nous a fait une session sur Blue Economy parce qu'il y a un topic by itself, very specialized et tout. Bon, c'est prévu, moi, ce que je peux. C'est prévu, voilà. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que, bon, écoute, mon pensée, c'est que... Écoute, mon pensée, moi, en fait, Maurice, en ce moment, what we lack is renewed energy. At all levels. Hein, mon désaccord, ça va être mon camarade secteur privé et tout. We need new blood, new energy, fresh faces to drive certain things. Parce qu'il est normal, ça. Hein, parce que quand on est dans une position d'une institution ou dans un secteur... arrive à un moment où fatigué ou dans comfort zone, hein, pas envie de change stuff, ok. Alors pour moi, c'est clair. Bon, là par exemple, une cause fishing industry, ce qui est intéressant par exemple, in a man development finance institution, in fait commit huge amount of dollars, millions of dollars, dans un pays comme en Zambie for fishing industry. Maintenant, si je te prends une map, mais au bout de dire, mais Zambie, it's landlocked. Il okay? Il dépend dans l'océan. Il y a, obviously, il y a une lake qui, bon, il y a une lake, ok, un lac, d'accord? Mais il est pas dans l'océan, mais mon institution, Development Finance Institution, depuis l'Angleterre et aussi depuis mon pays nordique, qui a investi pour développer cette fish farm au niveau de l'exportation within Southern Africa. Et des hommes nous déjà trouvent Zambie pour exporter poissons, ce qui est marrant, hein, l'eau de l'Afrique du Sud, dans mon supermarché en Afrique du Sud. Et qui, bien sûr, il a un gros marché aussi au niveau de la Chine. Il nous connaît très bien, c'est un énorme marché qu'il a. Alors, pour moi, c'est I think really, bon, peut-être le prochain débat, quand on peut venir sur ça, nous cause un peu plus, c'est, pour moi, c'est we need drivers. Drivers to drive. Okay? C'est-à-dire, très souvent, nous donne, bon, peut-être avant cette session, moi, type cause avec Titan, bon, voilà, et captain of industry dans Maurice, qui peut dire, moi, nous pouvons faire un comité, un high-powered committee. Il me dit, mais avec tous ces high-powered committees-là, mais ils n'ont pas perdu dans les comités ETT. We don't need committees. What we need is doing stuff. Et bon, me trouve, pour moi, c'est ça, l'énergie-là qui me trouve manquée dans Maurice. Voilà un peu, quoi. Bon, on va révéler ça dans la prochaine session. OK. Mon
Permettez-moi de réagir sur la question de Rachna par rapport au Yellow Fin Quota, le Blue Economy. Et permettez-moi aussi de rebondir un petit peu sur la partie investissement, sur la barre géopolitique que Kevin dit. D'abord, Rachna, par rapport à Yellow Fin, c'est vrai qu'il nous a quand même, c'est un stock, un poisson, c'est un stock. Qu'il a, si vous continuez à pêcher, surpêcher même ce stock, l'existence est threatened. Right? Et là, il y a un organisme qui s'appelle l'Indian Ocean Tuna Commission. C'est son but, c'est faire ban recherche, ban scientific research. Il y a quand même dans les quarantaines de member states qu'il a, les regroupes autres, ils réfléchissent, ils ont comment on peut manager le stock to ensure that that we fish in a sustainable manner. Et Maurice aussi est membre de la CTOI et nous fait contribuer à travers beaucoup de résolutions parce qu'il nous croit sur la sustainability. Pour nous, c'est prioritaire. Et nous, à travers une résolution, nous, Maurice, sur le temps, vous pouvez trouver 4-5 dernières années, nous sommes quand même avant-gardistes pour venir avec une résolution sur le contrôle, sur la sustainability in terms of yellow fin. Catches, right? Et ça nous fait lier conjointement avec le gouvernement et le secteur privé, ça se fait comme ça. En termes de blue economy, ce démarrage qui fait un pain de fer, qui fait un peu pétarder, pas un pain de fer, mais qui fait un pétarder. Bien, pourtant, comprendre qu'est-ce que c'est blue economy. Tout le monde me pensait quand on lance blue economy, maman, blue economy, blue economy. Il y a une affaire qui prend les temps. Blue Economy a plusieurs, a plusieurs aspects à Blue Economy. Bien sûr, le seafood is the low-hanging fruit. It's already here. Nous sommes capables de développer les là. Mais par contre, il y a différents aspects de Blue Economy. La recherche elle-même. Il y a wind farms qui sont capables de générer électricité à travers waves, energy, et ainsi de suite. C'est plusieurs aspects qui constituent sa blue economy-là. Et il demande beaucoup d'investissement dedans, beaucoup de temps dedans. C'est là que, mon pensée, nous avons déjà fini d'identifier, c'est des années de comité, nous avons déjà fini d'identifier 4 ou 5 filières en termes de blue economy qui Maurice capable de travailler dessus. Mais seulement, il demande un commitment. Il demande un commitment dans le sens qui nous permet de ressources, ça nous à une deuxième phase, que nous faisons une recherche, nous faisons investir l'argent dedans pour faire une recherche-là. Et parfois, ils demandent beaucoup en termes de ressources financières, ainsi de suite, mais surtout qu'il là, il vient au niveau de l'État. C'est l'État qui va besoin prendre une décision. Est-ce qu'il y a comme ressources, comme l'énergie, qu'il peut mettre, comme financement, qu'il peut mettre dans son créneau de blue economy-là. Parce qu'il nous faisons commencer à scratch, right from scratch. Qui nous fait, par exemple, nous fait un audit de toutes les ressources qu'ils trouvaient dans de l'eau, qui nous, en tant que médecin, nous demandait, parce que c'est important. Tant qu'ils n'investissaient pas, qu'on est qu'il y en a dans de l'eau, dans la base, ils étaient qui ou non, mais comment nous investissons? Basically, c'est un comité qui est en place, c'est une finie fin de rapport, but now we need to move to the second stage in terms of where government want to put its resources, in terms of time, energy and financials. C'est ça qu'il faut bien faire. Et mon pensée, c'est ce qui manquait quelque part la partie d'investissement en termes de recherche. Beaucoup de developed countries can afford, but whether Mauritian can afford or not, et ça aussi qui nous inquiétait. Est-ce qu'il y a la capacité financière pour capable permettre d'investir énormément là pour les cas reap the benefit in 10 years time? It's a policy decision for the government to do it. Mais le travail est là. Le blue economy, c'est important. Peut-être, Dave, tu peux bien faire ça parce que beaucoup de monde ne comprend pas qu'était le blue economy. Bien Je sûr. crois que mes ordi faire demain, ils pourraient reap the benefit. No, it's something that we have to invest into. Il est important de faire from an awareness campaign. Point de vue. D'ailleurs. Maintenant, par rapport à la partie géopolitique, qui m'a envie de rebondir sur ce que Kevin a dit en termes d'investissement. Nous gagnons quelques investissements à travers EDB, nous gagnons quelques investissements sud-africains qui rentraient, mais c'est vrai, nous rejoignons pas fully, qui nous visait beaucoup plus agressifs. En termes de nouveaux investissements, nous pouvons faire une business intelligence, find where those investments lie, potential investments lie, qui nous capable d'attirer vers Maurice, dans n'importe quel créneau, hein, et capable d'aller en dehors du secteur industriel, là. Il est important qu'il nous crée ça, l'équipe de business intelligence
find where or identify where those potential investors are in whatever sector and to bring it to Mauritius. Publier investissement. Investissement, Zodi, les, toi, en tant que Maurice, tu es attractif. Tu connais, il est capable d'investisseur qui a envie de Maurice. Il est capable à la France, il est capable n'importe quoi ça dans le monde. Qui t'a fait, lui, toi, en tant que Maurice? Qui fait les amis que toi? So, there is something that we need to do in terms of un gros travail qui besoin faire en termes d'investissement. Et qui m'a pensé, il dit, il peut faire, lui, mais il faut bien accentuer ce bon effort qu'il peut faire. Ceci dit, là, avec les deux trade agreements qu'il y en a, la Chine et l'Inde, c'est là que nous avons besoin aussi la carte régionale. Parce que Zodi, par exemple, m'a dit, un Indien, il nous capable peut-être d'enlever un investisseur indien, à Thierry, venir Maurice, mettre sur plateforme d'investissement, n'importe dans le secteur industriel, par exemple, ici, à Maurice, produire à Maurice et jouir du preferential access qui est sur l'Afrique. Et c'est ça que se fera, cet investissement triangulaire là, Maurice, l'Inde et l'Afrique. De même pour la Chine. So basically, c'est ce qui nous peut proposer au gouvernement qui est une réflexion. Nous visons un groupe stratégique de réflexion. Comment nous faire aller? Et je me rappelle comment on dit au départ, pas uniquement réfléchir, mais agir. Mon pensée, le gouvernement a le message qu'ils ont besoin aussi agir derrière. Voilà. Je pense peut-être, juste pour rajouter ça, c'est que parce que bon, obviously, nous pouvons comment attirer mon investissement qui vient baser Maurice et aussi attirer mon expertise qui nous paye, non? Qui est capable de créer mon produit ou service pour l'exportation, que ce soit marché retour sur l'Afrique ou le marché européen traditionnel ou mon nouveau marché émergent, l'Inde et la Chine. Bon, j'ai envie de dire une affaire, c'est que, bon, ce qui m'a trouvé, hein, parce que quand même, ça fait plusieurs années qu'il m'a l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, l'étranger, il n'est plus payé à poil en direct en Afrique. Okay? C'est-à-dire, la même, nous commençons à dire nos competitive edge parce qu'il y a 10 ans de cela, nous sommes capables de dire Vin Maurice, Vin Basel. C'est très simple pour vendre la juridiction de Maurice. Alors, c'est que pour moi, c'est que, comment tu allais là, nous sommes capables de textile, go to market, time, comment ça peut raccourcir, mais nous aussi, nous faisons go to market. Alchès, maintenant, par exemple, nous avons causé ça encore un coup de jeudi, moi, quand tu as fait une autre session sur l'économie, stratégie, etc. Pour moi, par exemple, il y a dit, moi, tu peux dire, bon, EDB à la base, bon, ils ont fait un bon job, mais moi pas pour rate EDB 10 over 10, par exemple. OK? Alors, nous, à some point in time, dire, bon, ben, peut-être EDB, c'est un organisme qui est owned by government, and funded by government, mais il y a un certain travail, il est capable d'outsource avec mon deal-making companies, mon investment banking institution qui est capable d'aller à l'autre saman expertise, là, par exemple. Nous cause light manufacturing, OK? Et non, ma société en Afrique du Sud, moi, capable même de dire, toi, qui l'endroit dans Johannesburg, il y a l'endroit spécifique, mais moi, capable, moi, assurer, pendant qu'il y a dans EDB qui connaît que bizarre aller. Voilà, tiens, ça m'a dit, moi, là. Alors, faut être capable de travailler avec un réseau de investment banking boutiques qui est capable de dire, ben voilà, l'Afrique du Sud, nous fait un scanning, par exemple, dans South Africa. Nous faire bien, nous faire un scanning, nous comprendre qui secteur, nous faire un survey avec sa man entrepreneur là, peut-être vous êtes man entrepreneur de deuxième génération par exemple, ok, et qui ben là en même temps, je design une machinerie qui bien rodée en Afrique du Sud, mais je design aussi un backup parce qu'ils ont dit nous peut trouver par exemple avec pandémie, tu as besoin tout le temps un backup. Si un lapot fermé, une juridiction fermée, tu as garde, tu backup continue. Bon, ça c'est un. Et puis deuxièmement, comme tu peux dire, pour moi, c'est l'opportunité, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui peut faire, qui peut prendre l'avantage, le fait que l'Afrique, maintenant, une signe, ça agrément là, au niveau de l'Afrique, toute l'Afrique. Et mon pensée pour nous, si nous mettons the willingness et l'action, within 2 years, nous sommes capables d'attirer pas mal de South African companies dans Maurice. Mais nous avons le result. Et nous avons besoin de notre tapis rouge. C'est-à-dire, nous avons besoin de nous amener, dire, ben voilà, qui permet notre bizarre. Vous ne voyez pas quand il vient de Maurice, il vient de galoper ici, galoper là-bas, il vient de téléphone ministre, il vient de téléphone conseil. Non, we need to go and pull them in. C'est ça qui nous besoin de faire, quoi. Une question très simple pour toi, Lila Oti. Tu as un projet d'une Special Economic Zone en Tanzanie pour faire warehousing? OK.
et inabouti, le récit Metso toi tiens. Ah oui, ce tôle exo, l'apôtre tout et exo-gardien tout. Oui, alors, en simple mot, c'est la concrétisation. Moi, je dis un petit coup de la philosophie derrière. Nous, on vit exploite le marché africain. Nous avons envie que nous ben SPME ou ben local domestic oriented enterprises, local manufacturing companies, qui ont disou, ils ont trouvé que le marché mauricien ben restreint, c'est une population qui pas fait grandir, hein. Alors pour se tenir une growth strategy, pour bien commence exporter. Et ça ban local manufacturing là. Quand tu t'exportes, qui côté nous faisons aller? Tout le monde cause l'Afrique. Mais pour rentrer dans le marché, market penetration, getting to know the market, clicking with your distribution channel, ça se fait pas au jour le jour. Alors, quand on fait une étude derrière, quand on trouve qui pour capable permettre sa ban, nos ban compagnies local manufacturer commence export vers l'Afrique, quand tu as un gros potentiel. Mais comment nous faire lire? Nous connais d'abord, nous connais qui de bien capable d'exporter, capable d'un gros potentiel, capable de faire lire. Oui, nous bien aller. Comment faire lire? Alors, c'est ça, nous arrive sur l'aspect de knowing your market. L'Afrique, un marché africain, n'est pas pareil comme un marché développé européen. Là-bas, je une culture que je suis content de venir, je trouve tes produits, je suis content de tes produits, je t'installe tout de suite, hein, je paye toi cash, je prends ce produit, je t'arrête. Alors, comment nous faire aller? Alors, nous trouvons que le warehousing is the best market penetration strategy sur l'Afrique. Nous sommes obligés, alors le way to go there is to have a warehouse. Nos banques exportataires vendent notre produit, exportent notre produit, ils stockent là-bas. Nous prenons sa compagnie, ils prennent son propre merchandiser là-bas, avec un consultant, via un consultant ou whatever. Ce travail, ce représentant, ce merchandiser là-bas, ce marketing, ce administrative guy là-bas, c'est vendre le produit, faire le lien avec le distribution guy there. Une fois qu'il crée sa market linkages, là, il y a la distributeur là, il peut venir, il peut venir dans ton warehouse, il peut get ton produit, il peut prendre sa quantité qu'il a besoin, il paye toi y aller. Alors, nous avons besoin d'adapter nous au marché africain. Et c'est ça le African Warehouse in Tanzania qui fait le choix de Tanzanie. C'est aussi une grosse réflexion qu'il fait au niveau de la MEXA. Nous dire comme ça, nous avons un choix, soit au Kenya, soit en Tanzanie. Le choix est porté sur la Tanzanie parce qu'il y a un marché émergent comparé au marché kényan qui est développé, beaucoup plus développé. Nous préférons le Tanzanie et à travers le Tanzanie, nous aussi capables touche le marché Rwanda, tous les marchés autour Kenya. Et nous pouvons dire que Dar es Salaam, là, surtout que nous Dar es Salaam, mais Dar es Salaam, là, est immense que tu étais là. Alors, à ce jour, moi, il y a un plaisir de dire qu'il y a déjà il y a 4 ou 5 compagnies qui ont fini. Déjà commence à exporter ou pour commencer à exporter dans les mois, de 1 ou 2 mois qui suivent. Trois ont fini commence à exporter incessamment pour commencer à exporter. Enfin, 5 compagnies en tout, sorry. Trois ont fini commence à exporter, deux peuvent suivre tout prochainement. Et c'est à travers l'Africa Warehousing. Mais un gros travail derrière ça, hein, c'est qui nous bizarre amène, une façon qu'ils nous le fait, c'est qui d'abord nous amène. Nous faisons market research avant que ce produit, est-ce que tu es capable d'exporter un potentiel ou pas? Une fois que le research in approuve le fait qu'ils sont capables d'exporter un potentiel, nous faisons un exportateur là, aller à vivre une semaine ou moins 2 semaines dans le marché tanzanien. Je ne sais le chemin, je ne sais, je ne connais pas tout ce qu'il arrive, mais l'important qui était, je n'apprends le marché. Et à ce moment-là, quand je suis convaincue qu'ils sont capables, capable d'exporter, c'est là que nous déclenchons vraiment un marketing plus poussé pour eux, en mettant un consultant là-bas, faire le lien
avec Band Distribution Channel, vous êtes capable d'exporter à travers l'Africa Warehousing. Un gros travail derrière, mais c'est moi, convaincu qu'il y pour éventuellement concrétiser et vous, dans les, vous prend beaucoup, beaucoup l'ampleur dans les deux, trois ans. Tout à fait commencer petit à petit. La patience est de remise. On doit être là. Et après, elle est là pour faire vraiment un temps. Peut-être juste une question dessus, c'est-à-dire même si pas bien précis en termes de qui produit, mais génériquement, par exemple, qui m'a produit, qui nous listait, disons, de top 5 products, top 10 qui nous trouvait, qui est capable de passer dans sa warehouse dans Tanzanie? Alors, éventuellement, pour le moment, nous pouvons nous lister le produit de tissue papers. Tous les produits détergents, wine, alcoholic product, les nouilles, Minapolo, et moi, il y a un produit qui n'est pas venu dans mon tête, mais je connais un produit, Kevin, mais nous avons 5 en tout qui nous peut exporter vers la Tanzanie. Un gros travail derrière, c'est moi, hein? Patience, mais une fois les fins des clics, Et le warehouse est sous la gestion de MEXA ou de quelle institution? Actuellement, tout le projet est sous l'égide de la MEXA et nous gagnons support du gouvernement à travers le budget de l'année dernière qui peut aider nous financièrement par rapport au warehousing cost, le rental. En fait, nous pouvons louer le warehouse avec un rental basis pour garder le coût parce qu'ils n'ont pas envie vraiment de jouer le coût. C'est un rental basis et nous gagnons un aide du gouvernement financier pour subventionner le coût du warehouse pour le moment. Voilà, c'est sous l'égide de la MEXA et on a rental basis the warehouse. Une question similaire, est-ce qu'il y a un projet plus ou moins similaire au Sénégal en avance, celui-là? Je ne suis pas capable de répondre à toi, là, Dave. OK. Ils n'ont pas encore. C'est un long-term project, Dave, qui est dans la ville juste en dehors d'accord qui s'appelle Diamnadjo. Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle ville qui est en construction et tout. Bon, it's far from being done. Mais moi, j'ai envie d'ajouter un point, là, au truc de Tanzanie, par exemple, qui est intéressant dans le sens que très souvent, me dit à mon camarade mauricien, c'est-à-dire que nous, pas bizarre, en fait, nous avons tendance, quand l'achat, c'est un peu balfané. En fait, pour l'Afrique, nous faisons cibler. Okay? Cibler parce que nous n'avons pas besoin partout. Okay? Par exemple, dans East Africa, c'est un marché de 250 à 300 millions de personnes, si nous incluons Tanzanie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, etc. Ça même, even 10% of that is far more than enough pour Maurice, quoi, d'une certaine façon, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, mon pensée, c'est que une approche ciblée, mais aussi une approche que peut-être que mon entrepreneur ou mon entrepreneur mauricien ou mon exportateur mauricien travaille ensemble, c'est-à-dire parce qu'on a beaucoup synergie en termes logistiques et pénétration de mon marché. Donc, parce qu'ils s'accanalent fairly séparément, quoi. Parce qu'ils séparément, nous, we are very small. We're very small. C'est exactement ça, la philosophie derrière. Nous tenons compte qu'on a cluster basis, nous mutualisons des ressources et l'expertise. On s'entraide là, hein? Chacun peut apprendre en même temps. Là, hein? La beauté des choses, c'est s'entraider. Chacun peut être son camarade pour exploiter le marché. Et c'est ça, c'est une stratégie ciblée avec une mutualisation des ressources et d'expertise. Voilà. Donc, nous arrivons déjà à 9h15. Je me connais, nous pas pour retenir Lilaouti très longtemps. Une dernière question pour toi, Lilaouti. Léla Outi fait comment dire tout, ministre des Finances, là, right now, aujourd'hui, 19 avril 2021. Qui, un bold measure, qui tu peux faire en tant que ministre des Finances pour really boost nos secteurs d'exportation de produits? Alors, les Révin, l'autre point qui te dit à moi, tu as l'air là, Dave, par rapport à comment on augmente la contribution du secteur à l'économie mauricienne. Maybe it's not one measure that fits all the sectors. Comment me dire toi, c'est beaucoup de monde pas comprend le secteur d'exportation. Je crois le secteur d'exportation c'est uniquement textile et habillement. Malheureusement, non. Pour nous capables de faire ce secteur-là bouger, nous avons besoin de mesures pour tous ces cinq lois-là, pour les bouger en même temps.
Chacun amène ce qu'on se bloque. Tu comprends? Mais chacun amène ce bloc. Faut, dès qu'il s'accepte là, dans 5 ans, nous trouver une renouvelée avec une croissance robuste. C'est ce qui nous fait besoin de travailler avec. Parce qu'il sous-contribution en termes de valeur ajoutée, une baisse minimum. Et le PBC, ce valeur ajoutée aussi PBC, we have to break the chain. Nous avons besoin d'être capables de faire un reverse trend. Et ça, nous avons besoin d'être capables, et tous ces 5 secteurs-là, rebooster eux, retravailler eux, transformer eux, et nous faire le secteur bouger en même temps. Voilà. Tu Mais c'est moi qui réponds vous ai compris le secteur pour ça. de moi exactement comme un bon politicien Je ne vais pas inspirer une chose, moi. Je vais inspirer une finance, moi, en tant que toi. Un point pour Rachna, Kevin, et le mot de la fin pour terminer. Un point très rapide. Ben, moi, j'ai envie d'ajouter une petite affaire, l'IAUTI. Peut-être, comme seafood, écoutez, un pays qui est entouré avec la mer et nous capable de faire beaucoup plus en termes de production de seafood avec Ban Fish Farms. Et maybe it's high time, nous move away un petit peu de traditional way of finding investment. Nous roadman, connais-nous desperate là. On ne peut pas continuer à avoir 80% de produits qui nous importent, mais pour nous capables continuer comme une économie, nous devons booster nos exports. Donc, je pense qu'il faut trouver d'autres moyens de financer ce projet-là et rapidement parce que le monde has become a global village. The world is moving very fast. Et si nous ratons ce train-là, it's over. Et comment Kevin peut dire, me croyez assez avec committees, it's high time we take commitments. Right? Donc, peut-être capable de répondre ça avec un camarade après et essayer de tirer à nous un petit peu dans sa gouffre qui nous était aujourd'hui, avec nos 400 millions de dettes. Merci. Merci Rachna. Kevin? Bah, écoute, non, moi, bon, je vais te remercier pour venir donner une perspective de ce qui se passe au niveau exportation et que, effectivement, parce que bien souvent, même, du monde confond quand les exportations, du monde pense, short t-shirt, chemise, dans Marks and Spencer, qui n'est pas vrai, quoi. Comme on nous dit, on exporte plein les autres affaires, très souvent, enfin, très souvent, comme au Tidacom, on trouve Minapolo dans nos shelves, dans Carrefour, là-bas, quoi. Okay, comment les autres produits qu'ils m'ont trouvés dans les autres pays, que ce soit au Kenya ou même au Ghana et tout. Bon, pour moi, je pense que, bon, ce qui me tient envie de dire, peut-être moi pourrais dire même affaires, c'est-à-dire, je pense que pour nous, en basant nos proximités avec l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, un peu Southern Africa, je pensais si nous focus une stratégie dessus, nous bisons pas même à casser la tête avec l'Afrique de l'Ouest et tout. Parce que parfois, nous bisons better be specialist dans une niche, dans un marché, dans une région. Et comme on me dit, hein, très souvent, on me dit, par exemple, nous prenons un pays qui me compte très bien, un pays qui me compte très bien aussi. Nous prenons un petit pays dans l'Afrique qui s'appelle Zambie, qui peine à beaucoup d'immunes, mais il est 20 fois bien plus 25 fois bien plus qui Maurice. Et si nous nous focus juste sur un pays comme ça, disons, en termes d'exportation, mais aussi en termes de création, c'est-à-dire, par exemple, demain, côte. Après vendre Minapolo, exporte Minapolo, nous arrivons à un stage, nous capables à setup une base là-bas pour produire là-bas. Hein, parce qu'à force d'un compte de marché, d'un gain de marché là, d'un gain un client qui est adapté avec ton produit et ton branding, le next step, c'est setup de plan. Bon, tout ça là, il vient en amont et tout. Ça, simplement, ce qu'il faut dire, c'est que bon, moi, déjà, il y a ça peut-être 10 ans de cela, moi, il y a 15 ans de cela. Pour le secteur de bancaire à Maurice, moi, tu dis, we need to be in or we'll be out. Bon, ce qui est arrivé, nous, un peu out borderline. Au niveau de l'exportation, ce qui m'a dire, c'est que pas quoi qu'il Afrique porte à nous encore 10 ans. It's not going to, it's moving so fast. Si nous pas in the next couple of years, we will be out. We will remain out. Et les autres, pour prendre l'opportunité, parce que mon père trouve comment l'Éthiopie peut jouer sa carte au niveau manufacturing et exportation. Obviously, l'Égypte, les designs géants, l'Afrique du Sud, les designs géants. Et là, nous pétrouve, par exemple, tout récemment, nous pétrouve beaucoup d'investissements pérants dans Angola, par exemple, pour développer certaines affaires qui sont traditionnellement importées.
So there's a lot of game changers that's happening et nous nous en prenons un avantage quicker. Et peut-être le message qui me passe nos camarades qu'il a, parce que bon, il interact avec Business Mauritius, EDB, etc. Moi, je crois fondamentalement que arrive le temps que nous avons un coup de main, par exemple, que EDB ou même peut-être Mexa capable outsource avec mon investment banking boutique qui est capable d'une aide à ce niveau-là pour fast track certaines affaires, quoi. Bon, voilà un peu ce que je voulais dire en gros. Merci, Kevin. Il a utilisé mon laisser le mot de la fin. Ben, Dave, je vous remercie toi d'abord parce que je pense que c'est la première fois que nous avons eu l'opportunité, malgré toutes les plateformes qui ont participé, qu'on éventuellement élabore sur la réalité du secteur parce qu'il est important que tout le monde comprenne le secteur dans son intégralité et comment l'IP évolue aussi. Et pas le dynamisme qui derrière le secteur, et ça te permet de moi expliquer et m'espérer que tout le monde comprend aujourd'hui la réalité du secteur. En tout cas, un grand merci. Ben voilà, nous pensons, nous pouvons continuer de travailler dessus. Je pense que la résilience du secteur, c'est de constamment à réinventer lui-même, transformer. C'est ça qui nous fait ce strength. Et mon quoi de ce secteur-là. On peut demander tout le monde qui a une croyance de secteur industriel. Aujourd'hui, pour moi, un moment de moi qui vive tout ce développement-là pendant les 20 ans, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un manque d'attention au secteur manufacturier. Il y a OK, ce secteur manufacturier is taken for granted. It was taken for granted for some time. Some time. Mais c'est bon, c'était bon aussi parce que c'est important que l'économie diversifie, nous pas target un seul secteur, nous visons une diversification de multiples secteurs et c'est ce que le gouvernement, qui tout du monde fait, que les policy makers fait. Mais ce qui m'a content, c'est que l'année dernière, avec le COVID, nous avons réalisé l'importance du secteur manufacturier. Alors que tout du monde dans le lockdown et you can't export, you can't get something in your country, c'est au l'indépendance industrielle qui fournit au marché. C'est aujourd'hui, c'est qui aujourd'hui, nous, in all platforms, people are talking about industrial independence, the importance of industrial independence. It's a multiplier effect to economy is large. Alors, pour moi, mon mot de la fin, c'est qui m'a vraiment aujourd'hui, moi apprécié le fait qu'aujourd'hui, tout le monde commence à prendre conscience, reprend conscience de l'importance du secteur industriel dans une économie, n'importe quelle économie du monde. Voilà. Dave, venez te rajouter une dernière phrase dessus. C'est important ce qu'il dit, c'est très important ce qu'il dit parce que la semaine d'avant, des vaches du Kira, quand tu fais à l'eau sugar, et tu dis aussi, par exemple, quand tu fermes partout, c'est un secteur qui te permet de revenus. Il y a une réalité aussi hein, de diversification. Parfois, on a une affaire qui est stratégique, qui peut-être pas amène grand profit, comment le dire, mais dans les temps difficiles, les gars, l'économie roulait, les gars, devises rentrées, et à la d'où importe nous manger bois, malgré le fait qu'il nous a réduit l'importation éventuellement, quoi. Tout à fait. Ben, merci, je tout. Bon, moi, j'ai quand même des paroles là. Hein. Et bon, moi, à la limite, moi, j'ai espéré un jour trouve une cause Minapolo. Hein. Donc, un Minapolo sur l'usine en Tanzanie ou ailleurs. OK, parce qu'il peut fabriquer ici parce qu'il n'est pas pour un moyen à Maurice pour faire une usine à grande échelle. L'Afrique nous peut causer un milliard d'habitants. Right? L'Afrique décide, Kevin, 59 millions, pas là. L'Éthiopie, dans les 94 millions d'Imoun. Donc, dans un coin, côte capable de produire un 10% de la population africaine, c'est de nous un objectif, parce que c'est un modèle national, pas pour une compagnie seulement. Côte qui peut amener un cluster de la farine, cluster d'ISEF, cluster packaging, l'imprimerie, cluster marketing qui peut faire une affaire pour les autres, hein, les autres compagnies. Et le fait qu'ils soient dans Tanzanie, si je ne me suis pas trompé, il y a un groupe sucrier mauricien qui est basé là-bas. OK, qu'il fasse un groupe sucrier mauricien là, il va amener un autre industriel mauricien qui est spécialisé dans rhum et faire des affaires là bouse dans une autre échelle. Mais même le plus grand groupe mauricien pas pour les moyens pour bouse dans sa échelle là, s'il dépend du soutien de l'État. Et là il y a une vraie question d'ambition nationale. OK, nous tu fais un petit calcul l'autre jour un camarade, hein? 100 millions Minapolo par an,
nous disposons population en manière quoi enfin passeport pas jour en manière causé mais nous payons 36 millions qui besoin pour payer pension tout mauricien à la fin de l'année. OK. Donc des mon fait connait qui peut-être en année là apprendre mon samina polo là puis prendre un peu temps hein. Dans le Sénégal, ils ont déjà pu manger. Dans le Ghana, ils ont pu manger. Oui, exactement. Dans le Nigeria, où on a plus que 200 millions de population, ils ont déjà pu manger là-bas. Exactement. Je te mange les autres moques. Donc, c'est. Branding là, c'est important. Donc, merci, merci, c'est tout. Donc, vous partagez avec vous. Donc, demain, nous proposons l'expo des services. Donc, les services, nous proposons, c'est qu'il y a BPO. Donc, Business Process Outsourcing. Et nous inviter demain, c'est Jenny Chan, qui est la vice-présidente de l'OTAM, Outsourcing and Telecommunication Association of Mauritius. Et nous pouvons ICT BPO sur l'importance qu'il est représenté dans l'économie, qui difficulté peut gagner actuellement, et qui bien faire, qui se peut proposer au ministre des Finances ben, pour. Pour réappuyer une coute. Bonsoir surtout et. Merci, allez, bye bye.